AWACS Music School, une école de musique située au quartier Pompidou, a reçu ce matin la visite du ministre d'État en charge de la culture et des arts, jauger le savoir-faire de ses compatriotes, puis les encourager dans la passion de cet art. C'est tout le but de la sortie du membre du gouvernement Alain-Claude Bilebinzi. Honorer puis encourager l'initiative privée, soit-elle dans le domaine de la culture, plus précisément de la musique, c'est une vision que les plus hautes autorités décident de matérialiser. En premier, le ministre d'État en charge de la culture, Alain-Claude Bilebinzi, en visite ce jour à AWACS Music School, où le président Kevin Minsa Bekale a décliné l'ambition de cette école musicale. C'est une grande opportunité, c'est un rêve de recevoir le ministre en charge de la culture dans nos locaux. C'est également, au-delà de l'opportunité, c'est de la visibilité, c'est quelque chose de grand. Ce que nous attendons, je pense que lors de la visite, nous avons échangé, ce que nous lui avons dit, c'est de collaborer. Nous voulons être accompagnés, nous voulons être soutenus. Les démonstrations des différentes mélodies musicales auront servi de principale attraction de cette excursion musicale. Et que de jeunes compatriotes, sans attendre l'aide de l'État, font vivre leur passion et la transmettent aux enfants. L'apprentissage, c'est indispensable. Nous sommes dans un pays qui est plein de potentialités, qui a une richesse culturelle extraordinaire. Et nous avons besoin que les générations futures perpétuent ce que nos aînés nous ont légué. Créé le 17 février 2008 à AWACS Music School, compte maintenir sa passion musicale par la formation des jeunes. Entre autres instruments de musique en apprentissage, le piano, la guitare, la basse, la batterie, le saxophone et les techniques de son.